Madame, messieurs, bonjour. Bonjour. Vous participez au challenge polaire. Parlez-moi un peu de ce challenge-là. En quoi ça consiste d'abord? Dans le fond, ça consiste à parler puis démontrer ce qu'on est capable de faire comme on est des immigrants. Mm-hmm. On peut donner l'exemple aux nouveaux immigrants et surtout aux filles pour qui ont pas peur du froid puis qui peuvent découvrir le Québec à cause de ces challenges polaires. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est difficile? Oui, au début, c'était vraiment dur parce qu'il y avait juste des côtes que hier, on a monté des 55 km. Mm-hmm. C'est ça. Mais... moi, j'ai fait ça pour lancer un message qu'on est capable de vivre ensemble. En plus, c'est d'être fierté et ça va me rester, ça va me souvenir toute ma vie, qu'est-ce que j'ai fait. Et on s'est fou. Nous, dans notre groupe, on est tous différents, on vient de différents pays. Différents pays. Mm-hmm. Et on se focus sur ce qui nous unit. Mm-hmm. Au lieu que ce qui peut être des différences, ouais, c'est ce qui nous unit, c'est ça qui est important. Ouais. C'est un peu le message que vous lancez. Oui, c'est ça qu'on lance. Il y a certains gens, ils pensent comme... Même certains immigrants, ils pensent que nous, on reste dans une bulle. Comme on est déjà une plus au début. Oui, c'est normal. Ouais. Mais après ça, on s'ouvre. Puis... C'est ça, on veut démontrer qu'on est ouvert à la culture québécoise. Mm-hmm. Et de rencontrer de nouvelles gens. À date, le défi, ça se passe bien côté physique. Comment on se prépare à ça? Oui, ça se passe très bien. Et comme on a bien pratiqué avant de commencer ces activités-là, mais maintenant, on s'y sent bien. Mais comme pour moi, c'est vraiment intéressant, comme je suis tout seul ici au Canada, mais grâce à ces activités-là, ça me permet de connaître beaucoup de gens et beaucoup d'amis. Donc, pour moi, c'est vraiment très, très important, ces activités-là. Vous aimez le Québec? Oui, bien sûr, on aime le Québec. Oui, bien sûr, on aime le Québec parce qu'on est en sécurité et les Québécois sont accueillants, mm-hmm, sont très ouverts avec nous. Donc, vraiment, on aime le Québec. Bien, merci beaucoup, puis félicitations. Continuez votre bon challenge. Merci à vous. Merci. Merci à vous.